C'est quoi qui fait lui est une émission extrêmement culturelle et intellectuelle. Dans notre grand rendez-vous quotidien, hier, nous étions à la recherche d'un peintre célèbre. Non pas un peintre au bâtiment, qu'on en aurait pu s'en amuser parfois, mais nous recherchions un peintre, un artiste peintre fort connu et fort renommé pour ses tableaux fort jolis. Et vous aviez comme indice un monsieur qui s'appelait comme ça, hein, quelqu'un qui donne du travail à beaucoup de gens, puisqu'il est bien connu que Pôle emploi. Et il y avait également deux bestioles qui faisaient i-an de façon fort remarquable. L'imitation méritait son pesant de cacahuètes, car beaucoup de personnes ont véritablement cru que nous avions sorti du confinement pour trouver de véritables ânes dans un pré. Non, 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 que nenni, il s'agissait du talent remarquable de la personne qui a tourné le C'est quoi qui fait lui et qui a remarquablement interprété et imité ces deux ânes. Il s'agissait donc du peintre célèbre Paul avec ses deux ânes, donc Paul, ses ânes. Merci, à bientôt pour une nouvelle émission culturelle.